transcendance. C'est le socle des religions primitives partout dans le monde. Tout repose sur la connexion de l'individu avec le monde spirituel. C'est-à-dire le mystère à l'origine de notre existence.
Wasson était un mycophile amateur qui étudiait les champignons. En 1955, il avait été invité à participer à une cérémonie célébrée par une curandera, une guérisseuse qui s'appelait Maria Sabina. Il avait pris des champignons qui lui avaient déclenché une expérience psychédélique. En 1957, Wasson a publié les résultats d'une de ses recherches dans la revue Life. En réalité, il s'agissait d'un véritable guide pratique sur les champignons psilocybes qu'il rendait accessible à des millions d'Américains en plein milieu de la guerre froide. Cela a immédiatement interpellé des enseignants d'Harvard et des chercheurs d'autres prestigieuses universités. Avant d'attirer l'attention de spécialistes tels que Timothy Leary, Ram Dass et le docteur Andrew Weil. Pourquoi les champignons produisent-ils des molécules qui agissent sur les récepteurs du cerveau et du corps humain? Quelles conclusions en tirer? Faut-il les utiliser?
1950 et 1960, les substances psychotropes étaient à l'avant-garde des recherches en psychiatrie. Des études approfondies ont abouti à des résultats très prometteurs. Les substances psychotropes ont fait l'objet d'études psychiatriques pendant 30 ans. Plusieurs champs d'application très intéressants ont été explorés. Les meilleurs résultats concernaient l'alcoolisme. Oui. On s'est aperçu que si on menait une expérience mystique au cours d'une séance, on obtenait des résultats très positifs. Par exemple, les patients pouvaient rester sobres tout au long de la période de suivi. C'était très impressionnant.
Thank you.
We'll be right back.
Pour cela, j'ai été accompagné par une guide secrète. J'ai commencé par 2 grammes de champignons séchés. C'était un champignon géant avec une tête de la taille d'une balle de golf. Ça a été difficile à avaler. Ma guide m'a placé un masque sur les yeux et un casque sur les oreilles qui diffusait de la musique. C'était les suites pour violoncelle de Bach. Une œuvre que je connaissais, que j'aimais, que j'avais entendue à des enterrements. Une musique très triste, très triste. Ce que j'ai expérimenté avec cette musique, je ne l'avais jamais vécu auparavant. J'ai senti que j'étais dans ce puits, cette enveloppe, cet espace qu'était ce violoncelle. Au point que je pouvais presque ressentir le crin de l'archet traverser mon corps. À un certain moment, j'ai senti mon moi s'effondrer. J'ai regardé au loin et je me suis vu exploser en un nuage de post-it bleu. Quand on voit les pages d'un manuscrit emporté par le vent, on se met à courir pour tenter de les rassembler. Mais là, je n'ai pas ressenti le besoin ni l'envie de ramasser tous ces post-it bleus avant qu'ils ne soient balayés par le vent. Je me disais, très bien, envolez-vous, vous avez fait votre temps. J'ai à nouveau regardé au loin et je me suis vu au sol, étalé comme une petite flaque de peinture. J'ai dû aller aux toilettes quelque temps après. Je ne sais pas comment dire ça, mais j'ai produit une quantité spectaculaire de diamants. Des motifs fractals sortaient des toilettes. C'était tout à fait incroyable. Une fois que j'ai eu terminé de produire ces diamants, je me suis senti assez sûr de moi pour me regarder dans le miroir. J'ai vu un crâne avec la peau très tirée tout autour. Mais ce n'était pas mon crâne. C'était celui de mon grand-père dont j'étais très proche et dont la mort m'avait beaucoup affecté. Il avait vécu jusqu'à 96 ans et maintenant il était là, et moi aussi, et je me suis fondu en lui. Mon moi avait disparu. Le plus surprenant, c'est ce que j'ai ressenti. Je n'ai pas paniqué. Je me suis senti réconcilié avec la mort, comme ça ne m'était jamais arrivé. Cela m'a aidé à comprendre ce que les patients atteints de cancer que j'avais rencontrés avaient traversé. Ils étaient arrivés à un point où ils pouvaient observer leur vie et leur fin de vie comme la chose la plus naturelle du monde. Une fois débarrassés de leur moi, ils pourraient fusionner avec quelque chose de plus grand. Et ils trouveraient là leur immortalité.